Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2023. Il s'agit donc de mon bilan de lecture du mois de décembre. Étant donné que je suis complètement à la bourre, cette vidéo sortira sûrement en janvier, bien entamée. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année, de belles découvertes livresques, je l'espère. La santé, plein de bonnes choses, la réussite dans vos projets pro et perso. Et voilà pour ça. Alors, on va démarrer cette vidéo comme d'habitude par un book haul. En plus, là, il y a les cadeaux de Noël. Alors, tout d'abord, j'ai fait deux achats ce mois-ci. Un achat neuf et un achat d'occasion. Concernant l'achat neuf, il s'agit du tome 4 des McCoy, La biche et le limier aux éditions Hugo New Romance de Alexia Ntil. Je vous ai déjà parlé de cette saga que j'adore. Donc je pense poursuivre soit au mois de janvier, soit au mois de février, on verra. Je vous en reparle tout bientôt. Et ensuite, sur Vinted, je me suis procuré... Ah, qu'est-ce que c'est ça ? C'est du thé, normal. Je me suis procuré donc pour l'honneur de tous les miens de Amanda Skenandor aux éditions Faubourg Marigny. J'en ai beaucoup entendu parler sur le compte des copines et il me fait très 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 envie. C'est un... Il me semble que ça se passe à Philadelphie, ça parle d'Indiens, etc. Il me semble, si je dis pas de bêtises, et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, j'adore lire là-dessus. Donc voilà, je me le sortirai l'année prochaine du coup, et je vous en reparle au plus vite. Concernant maintenant le book haul de Noël. Alors, j'ai reçu... plusieurs romans, du coup, le Papa Noël ne m'a pas oublié, il a laissé sous le sapin plein de livres et pas que ça d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai reçu tout d'abord La femme de ménage de Frida McFadden aux éditions. J'ai lu la version pocket du coup. Je pense que celui-là il sera lu soit au mois de janvier, soit au mois de février dans le cadre du challenge polar autour du monde. Je vous en reparle dès que ce sera lu. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 d'Une simple histoire d'amour de Louise Tremblay Desciambre aux éditions Pocket. Il était dans ma wishlist, il est dans ma palle maintenant. Je ne sais pas quand est-ce que je me le prévois. En tout cas, dès qu'il sort, je vous en parle forcément. Ensuite, j'ai reçu Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Pocket. Je pensais le sortir fin décembre, puis finalement j'ai lu autre chose, donc ça sera sûrement en fin d'année 2024. Je vous en reparle cette année. Ensuite, j'ai reçu Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver. Donc, il s'agit donc du tome 3 de cette saga, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Il est magnifique, j'adore. Ensuite, j'ai reçu D'amour et de lait, l'histoire d'un allaitement familial en bande dessinée de Corrigan. Voilà comment ça s'écrit. Si vous voulez retrouver son compte Instagram, son compte est génial. Il y a de superbes illustrations aux éditions Tiber. Je pense que ça sera ma première lecture de l'année 2024. Les dessins, j'ai un peu parcouru. C'est magnifique. J'adore, ça me parle énormément. Et de la même maison d'édition, du coup, j'ai reçu également Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Donc il s'agit du texte intégral, j'arrive pas à parler, du texte intégral qui est illustré par, du coup, la même illustratrice de cette BD. Donc Corrigan, aux éditions Tiber. Alors moi je ne suis pas très très fan des classiques, voilà, je trouve ça barbant. Ça dépend desquels, hein, on est d'accord, parce qu'il y en a que j'ai adoré, mais clairement j'ai du mal à m'y mettre. Et franchement, cette maison d'édition, elle est juste magnifique. Oh là là, mon dieu, c'est laborieux. Et franchement, il y a des illustrations, c'est trop trop beau à l'intérieur. Cette maison d'édition fait des objets livres magnifiques, vraiment. Je suis fan. Alors, les livres sont pas donnés, clairement. Mais alors, franchement, il y a un travail éditorial splendide. Et ça me donne vraiment envie
de m'y mettre. Je pense que je vais me faire en sorte, je vais faire en sorte, promis, de le sortir cette année. Ce sera mon seul et unique, je pense, classique. Mais voilà, et il est juste splendide. Voilà, voilà. Hop, comme ça, comme ceci. Je vous en parle quand je l'aurai sorti. Donc, normalement, vous devriez le voir passer dans un de mes bilans de l'année 2024 à suivre. Et puis, si c'est pas le cas, vous aurez le droit de m'en mettre une à la fin de l'année prochaine. Ou pas. Dernier petit cadeau qu'il y avait sous le sapin de moi à moi-même. Oui, tout à fait. Et ça, voilà, je tiens à le préciser, c'est la faute de ce petit démon là que vous voyez là, qui s'appelle Dory du compte My Little Book 13. Oui, oui, oui. Il faut assumer à un moment donné. Et d'ailleurs, Dory, si tu passes par là, je tiens à m'excuser plus pour ce photomontage tout claqué. Je suis désolée. Dans ma tête, j'avais un truc qui démontait, mais vraiment génial. Et en fait, il est tout pourri, tout claqué. Je suis nulle en photomontage et je viens de m'en rendre compte. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. J'espère que ça te fera rire aussi. Petite dédicace du coup pour mon influenceuse littéraire préférée. Et par contre, qui ne l'est pas pour ma palle. Parce que clairement, elle est très mal en point à cause de toi. Et voilà, on va pas te remercier pour ça. Et par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il fout le petit ange de ce côté, parce que à part ronfler, il fait pas grand-chose, il va falloir qu'il se réveille à un moment donné, parce que rien ne va plus, c'est l'anarchie dans ma palle. Enfin, voilà, du coup, à la faute de Dory, ce joli petit bijou... Oh merde, si je vous le montre à l'envers, ça va pas. Ce joli petit bijou a rejoint ma palle, et je pense que ce sera une de mes premières lectures du mois de janvier 2024. Il s'agit donc de la saga Earth Player, le tome 1, The Bucket List d'Alice des Merveilles, j'allais dire Alice au Pays des Merveilles, n'importe quoi. Alice des Merveilles aux éditions Plume du Web. Cette version reliée est juste magnifique. C'est ça qui m'a fait craquer en plus de la vie de Dory sur son compte. Sachant qu'en plus elle a été influencée par... il me semble que c'est Coco de Mon Jardin Littéraire, si je dis pas de bêtises. Donc je suis également allée voir son compte Instagram pour lire sa chronique. Et bon voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Il était presque en rupture de stock en plus sur le site internet de la maison d'édition. Parce que du coup, j'ai eu deux petites cartes postales et en tatouage de The Bucket List. Et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite folie de fin d'année vous aura bien fait rire autant que moi. En tout cas, je vais passer pour une folle, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Après, j'en aurai rigolé. Voilà pour ça. Et non, en fait, c'était pas fini, parce qu'en fait, le 26 décembre, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu le deuxième roman de Matteo Scarano, qui m'a gentiment contacté sur Instagram pour m'envoyer son second roman après avoir découvert le résumé de celui-ci. Donc j'ai gentiment accepté parce que j'avais bien aimé son premier roman, même si ça n'avait pas été un coup de cœur, que c'était pas parfait, j'avais passé un agréable moment. J'ai beaucoup aimé échanger en plus avec l'auteur. Et ce deuxième résumé me tentait énormément. Donc je suis très contente. Je ne m'attendais pas du tout à le recevoir juste après Noël, donc ça fait un petit plus. Donc il s'agit donc d'un service presse, une collaboration non rémunérée parce qu'il s'agit d'un produit offert. Voilà, et la couverture est magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. Donc c'est aux éditions Collection Romance, Collection Execo, un éditeur militant. Il s'agit donc de Lucie, l'amour d'une vie. Donc celui-ci, vous le retrouvez certainement dans ma vidéo du mois de janvier. Parce que je pense que je le calerai le mois prochain, sans faute. Voilà, voilà! Première lecture du mois de décembre, il s'agit de Une vie de Simone Veil aux éditions Stock, qui m'a été gentiment offert par Patou du compte Patijac. Merci beaucoup si tu passes par là. Je vous lis la quatrième de couverture. Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée, en France et à l'étranger. Son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est, libre, véhémente, sereine.
Alors, ce que j'ai pensé de cette lecture, c'est une très bonne lecture, même pour les frileux en termes de... Enfin, pas les frileux, mais les sensibles, vous pouvez y aller. La partie déportation, camp de concentration, camp d'extermination, c'est assez bref. Pas bref, mais on va dire qu'elle ne rentre pas dans les détails sordides. Donc, c'est à votre portée, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. D'autant plus qu'elle ne parle pas ici que de ça, puisqu'elle nous parle de sa vie de famille avant son arrestation, de sa déportation, de sa vie dans les camps, de sa libération, de sa vie d'après, de sa reconstruction, de la rencontre avec son mari, la naissance de ses enfants, son entrée dans la vie, dans sa carrière politique, qui a commencé en tant que magistrat, qui a continué en tant que ministre de la Santé. Elle nous parle aussi de la légalisation de la loi sur l'avortement, etc. Enfin, plein de choses très intéressantes. Et puis, ce que je retiens de tout ça, clairement, c'est que c'est une grande dame, elle est très inspirante, elle est forte, elle est tout ce qu'on a envie d'être, clairement. Et alors, donc c'est une très très bonne lecture. Par contre, il y a à peu près 400 pages. Il y a d'ailleurs dans cette édition-là des photos de sa vie, etc. à l'intérieur. C'est super chouette. J'aime bien. Et par contre, tout ce qui concerne la partie politique, j'avoue que... Ça a été un peu indigeste pour moi, dans le sens où c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas spécialement dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose que j'y porte grand intérêt. Donc clairement, c'est intéressant malgré tout, parce que c'est quelque chose que justement je m'intéresse pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien d'en découvrir un peu plus là-dessus. Mais j'avoue que c'était un peu long. J'en voyais plus le bout de cette partie-là. Et ouais, c'était complètement indigeste pour moi cette partie, malgré le fait que c'est intéressant et que voilà, mais j'en aurais aimé un peu moins, quoi, parce que, au moins dans les détails en tout cas, parce que c'était lourd à apporter. Alors en plus, j'ai attaqué ce livre, j'étais fatiguée, un peu le moral dans les chaussettes et tout, donc je pense que ça n'a pas trop aidé à la concentration à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que cette partie-là a été un peu dure pour moi. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne lecture, clairement. Je peux que vous le conseiller de découvrir la vie de Simone Veil, cette grande dame. Voilà. Après, il me semble qu'il y a une version poche où il y a seulement des extraits de cette biographie-là. Je pense que ça peut vous intéresser si vous avez peur de vous lancer dans cette grosse biographie. Je pense que vous pouvez le tenter comme ça. Il me semble, hein, je ne vais pas vous le dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une édition poche qui est comme ça, qui est juste des extraits de cette partie-là. D'ailleurs, à la fin de ce livre-là, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'annexes qui nous donnent les discours que Simone Veil a pu à diverses aux occasions dire en gros. Notamment, par exemple, le discours prononcé à l'Assemblée nationale de 1974. Il me semble qu'on avait aussi. Au nom des anciens prisonniers juifs, à l'occasion de la cérémonie internationale de la commémoration du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Concernant la loi d'avortement, justement, il y a une annexe aussi à ce sujet. Enfin voilà, c'est vraiment riche en informations. Je pense que, ouais, je me demande pourquoi, enfin moi, à mon époque, il me semble pas qu'on avait étudié en cours d'histoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Madame Simone Veil en détail ou ce genre de choses, et je pense que ça serait une bonne chose de trouver des parties de ce livre-là dans le programme. Enfin, c'est hors sujet ce que je suis en train de vous dire, mais bref. En tout cas, n'hésitez pas, c'est une bonne lecture. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série d'Emma Coy, La Louve et le Glaive aux éditions Hugo Poche de Alexandre Thill.
Alors, je ne vous lis pas le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 3. Tout ce que je peux vous dire sur celui-là, c'est que il ne détrônera pas mon coup de cœur pour le tome 2. Bien que j'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé ce tome-là. On suit ici donc le glaive qui est Duncan, le bras droit de Caleb, et la louve qui est Elizabeth, la petite sœur de Caleb. Principalement, ça, les chapitres alternent entre les deux, plus ou moins. J'aurais aimé par contre un peu plus de Duncan, un peu moins d'Elizabeth, parce que j'avoue qu'avec Elizabeth j'ai un peu de mal. J'aime pas trop ce personnage, il me saoule un peu. Mais par contre, ça m'a confirmé mon adoration pour le personnage secondaire qui était Duncan dans les tomes 1 et 2. Ce tome 3. Nous le fait découvrir un peu plus en détail et j'aime beaucoup ce personnage. Il va juste, je trouvais que Bran, on le voit pas trop dans celui-là et ça m'a un peu manqué, j'avoue. Mais sinon, voilà, je vous dirai pas plus sur ce tome-là parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit et encore, je trouve que j'en ai trop dit. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Il y a plusieurs temporalités dans ce tome-là. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'avais un peu peur de me lancer dedans au départ et puis finalement, je me suis prise au jeu. J'aime beaucoup. Donc je pense que je lirai le tome 4 qui est déjà dans ma palle le mois prochain, au mois de janvier. Et voilà, je vous en parlerai aussi à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont aux éditions Pocket. Oui, je suis dans l'ambiance. Folie ou pas? Même le pull là, de Muse avec le petit sapin en livre, tout va bien. Bref, je vais arrêter. Je vous lis le résumé. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut tirer adieu à ses vacances pépères, genre sieste, en pyjama licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation. Le séduisant gardien de son immeuble, celui-ci lui propose un marché, en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend ? Alors cette lecture elle est très courte, ça se lit très vite, très bien très vite. J'avais déjà lu du Karen Pont mais c'était pas des romans de Noël, c'est mon premier roman de Noël de l'autrice. J'ai passé un bon moment même si parfois j'ai trouvé l'humour et certains passages assez gros, un peu trop, un peu lourd. Mais bon, ça n'empêche pas que ce roman dans l'ambiance de Noël, romance romantique de Noël, fait totalement le taf. J'ai beaucoup ri en tout cas, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Il fait complètement le taf d'un roman de Noël. Je sais qu'il y a une suite, je crois que c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie, me semble. Il n'est pas dans ma palle ni celle de ma mère, parce que celui-là je l'ai piqué dans la palle à ma mère du coup. Je pense que la suite je me le ferai l'année prochaine pour pas faire d'overdose non plus de romans de Noël. Et voilà, en tout cas voilà, c'est fun, c'est léger, c'est cool, ça met dans l'ambiance de Noël, c'est parfait pour la saison. Alors ensuite, j'ai lu Le chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur italien qui me permet de remplir la case dans mon challenge pour la retour du monde pour le mois de décembre. Donc c'est un auteur italien. Je vous lis le résumé. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un sixième bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Alors, ce que j'ai pensé de ce roman, eh bien, au moment où je vous parle maintenant, je suis un peu en demi-teinte. Alors, je m'explique.
C'est un très bon roman, il est très bien écrit, il n'y a rien à redire là-dessus, clairement. Cependant, on va dire que la construction du roman, ou peut-être la plume de l'auteur, je ne sais pas trop, m'a un peu dérangée. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de moments où on passe un peu du coq à l'âne. Et j'ai été obligée de retourner en arrière pour voir si je n'avais pas loupé quelque chose. J'avais l'impression que j'avais loupé des pages. Enfin, et en fait, non. Il s'avère qu'il fallait continuer dans la lecture pour comprendre le pourquoi du comment. Et c'est régulièrement que ça s'est passé pour moi dans ce roman. Alors c'est peut-être, je mets le bénéfice du doute sur le coup de ma fatigue et de mon moral du moment. Ça a peut-être joué sur le fait que du coup je ne l'ai pas lu au bon moment. C'est possible et ça m'a fait passer peut-être à côté. Mais voilà, ça, en tout cas ça m'a dérangée parce que j'ai perdu pas mal de temps à faire ce genre de petit exercice. Alors c'était peut-être dû, comme je vous le disais, à ma fatigue, à mon manque de concentration du moment. Je ne sais pas, je garde le bénéfice du doute. En tout cas, voilà, moi ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangée sur le fond de ma lecture, d'autant plus qu'il est assez long. Il fait presque 600 pages, donc bon, voilà. Sachant qu'en plus c'est le tome 1 d'une série, il me semble qu'il y a 4 tomes au total, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas experte, c'est la première fois que je lis cet auteur. Voilà. Alors, pour ça, voilà. Ensuite, par contre, c'est une histoire hyper intéressante sur les points judiciaires, de criminologie. Forcément, c'est un thriller, donc on est immergé dans le cerveau d'un tueur en série. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ces gens-là fonctionne, même si personnellement je m'en passerai. Mais voilà, c'est intéressant, on en apprend beaucoup et voilà. La fin m'a laissé perplexe dans le sens où on la voit venir sans la voir venir. C'est difficile à m'exprimer sur ça. Après, je ne veux pas trop vous en dire non plus parce que je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit pour ceux qui ne l'auraient pas lu parce que je pense que je suis vraiment à la traîne de découvrir cet auteur parce qu'il y en a pas mal qui le suivent et qui l'aiment bien. Mais par contre, voilà, elle m'a laissé perplexe, mais par contre, elle m'a donné envie, malgré tout ça, d'aller découvrir le tome 2 et savoir où l'auteur veut nous emmener dans cette suite de cette série. Parce que pour moi, ce roman, on va dire, qui se suffirait à lui-même, la fin nous prouve que non, clairement, mais voilà. L'auteur aurait pu choisir une autre fin, mais ne pas faire la suite de cette série. Je vous dis ça tout simplement, enfin c'est hors sujet ce que je vous dis, mais je vous dis ça simplement parce que je ne sais pas du coup si moi, j'irai, malgré le fait que ça m'a donné envie de découvrir la suite, si j'irai en tout cas de sitôt me replonger dans cette histoire-là. Tout simplement parce que ça a été une lecture hyper éprouvante pour moi sur bien des aspects. Je pense qu'il y a des scènes qui vont me rester et me hanter pendant un bon moment encore. Donc clairement, ça ne sera pas ma prochaine lecture, le tome 2 de cette série. Je ne sais pas si j'y retournerai. En tout cas, ça ne sera pas tout de suite. Ça sera peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Quoique peut-être pas parce que je pense que si je n'y retourne pas quand même l'année prochaine, je pense que j'aurai oublié pas mal de choses, sachant qu'en plus il y a pas mal de personnages, ça n'a pas du tout aidé à ne pas me perdre à plusieurs reprises dans l'histoire, clairement. Mais voilà, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à y aller quand même parce que c'est une bonne lecture malgré tout, mais voilà, moi ça m'a laissé des séquelles, il y a vraiment des scènes qui ont été éprouvantes pour moi. Ces images-là, je me languis qu'elles disparaissent de mon cerveau parce que franchement, horrible. D'autant plus que cette histoire, enfin, pas mal d'enquêtes, de scènes qu'on retrouve dans ce roman-là sont tirées d'enquêtes et de faits réels. Alors ça me met un froid dans le dos, mais alors plus, plus, plus. Et voilà, donc clairement, en ce moment, j'ai pas envie de me miner le moral. Donc je sais pas du tout quelle va être ma prochaine lecture, mais clairement, ça va être un truc de léger. On va retourner sur du léger parce que là, clairement, ça m'a foutu un coup cette lecture.
Et donc voilà, en tout cas, pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse parce que je sais que cette série de thrillers a énormément plu à énormément de monde, de personnes que je suis qui l'ont lu, je le sais. Et moi j'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, hein, comme je vous le disais, c'est assez confus pour moi de m'exprimer. Mais voilà, ça a été éprouvant pour moi et il y a certaines petites choses qui m'ont dérangée. Alors, est-ce que du coup c'est dû à ma fatigue et mon moral du moment? Je ne sais pas, c'est pour ça que je laisse le bénéfice du doute et que je me replongerai peut-être sûrement dans le tome 2, mais plus tard. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir si vous avez eu ce ressenti aussi ou si c'est vraiment que moi qui suis dans ce mood-là. Voilà. En tout cas, je peux que vous le conseiller. C'est un bon auteur de thriller, ça c'est sûr. Il est très bien informé et ça se lit quand même relativement bien, même si j'ai eu ces petits décalages et ces petites pertes Mon GPS n'était pas au point sur ma lecture, voilà ce que je peux dire. Alors, ensuite, j'avais besoin d'une lecture légère, je ne savais pas dans quoi partir, et du coup, j'ai sorti cette petite BD ou roman graphique. Vous me direz quand je vous montrerai l'intérieur comment vous le qualifieriez. Il s'agit de Cheveux mouillés de Joshua Servier, qui fait du coup lui-même ses illustrations et c'est en auto-édition. Alors, je vais vous lire avant d'aller plus loin la petite phrase qui sert de résumé derrière le livre. Voici l'histoire de Melika, une petite sirène aux cheveux pas comme les autres. Et je vais vous montrer la jolie petite illustration et qui est derrière. Ah, voilà, ça fait la mise au point. Alors, cette BD ou ce roman graphique, je ne sais pas, je me le suis procuré cette année. Je suis tombée sur le compte de l'auteur, je ne sais plus comment. Et j'ai trouvé que le message que voulait véhiculer l'auteur à travers ce roman-là était génial. C'est-à-dire, alors là, il parle des cheveux afro, ça pourrait très bien être autre chose. Et du coup, ce message est de gagner confiance en soi en s'acceptant comme on est, parce que c'est dans la différence qu'on fait la beauté du monde, clairement. Et c'est clairement le genre de livre avec ce genre de message que je souhaite véhiculer plus tard à mon fils. Et celui-là tombe merveilleusement bien. Alors, j'ai beaucoup aimé cette jolie petite histoire. Il y a plein de clins d'œil, pardon, à nos Disney, à nos contes Disney préférés. Par exemple, j'ai cru apercevoir vaguement un peu de Cendrillon, un peu de La Petite Sirène, du coup, Aladdin, etc. Mais comparé à nos petits contes Disney préférés qui sont un peu obsolètes dans le sens où c'est pas très très moderne quant à notre vision des choses, comparé par rapport au patriarcat, etc. Ici, c'est un conte totalement modernisé qu'on retrouve ici. On va dire que l'auteur casse complètement les codes et ça, c'est super. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur parce que. Alors, pour vous tout vous dire, les BD, romans graphiques et tout ça, j'en ai très peu, ça m'arrive. Hein. Mais j'en ai très peu. C'est pas le genre de roman qui va m'attirer. Tout simplement parce qu'il suffit que les illustrations ne me correspondent pas, ne me parlent pas pour que je ne puisse pas rentrer dedans. Et en fait, tout récemment, j'ai regardé la dernière vidéo qu'a sortie Angeline de chez Muse Book Club. Et elle lit énormément de fantasy fantastique, chose qui n'est pas ma came, bien qu'il y ait certains titres qui m'interpellent quand même, que j'aimerais bien découvrir. Alors, je ne sais pas si je vais me lancer l'année prochaine ou pas, mais on verra. Mais en tout cas, elle lit énormément dernièrement, en tout cas, parce que je crois que de ce que j'ai compris, elle lisait pas énormément de BD, de romans graphiques non plus. Et puis finalement, elle s'est complètement convertie à ce genre de choses. Et donc, il y a quelques titres que j'ai retenus. Alors, celui-là n'en fait pas partie, je ne l'ai pas vu sur son compte YouTube ni Instagram,
Mais j'ai retenu quelques titres que je souhaite me procurer si je ne les vois pas sous le sapin. Et je pense que je vous en parlerai quand je m'y mettrai. Mais voilà, je pense que je vais me mettre un peu plus au roman graphique et BD. Mais voilà, alors du coup, pour en revenir à nos moutons et à notre petite sirène Melika, pardon. C'est une jolie petite histoire qu'on peut mettre entre toutes les mains d'une petite fille à un petit garçon. Je ne vois pas du tout d'inconvénient. Au contraire, à bas le patriarcat et les clichés. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu plus l'intérieur de ce roman. Alors, je vais éviter le reflet. Voilà, il y a de magnifiques illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup. On retrouve vraiment les inspirations, mais c'est génial. Et alors, je ne vais pas vous dévoiler Melika dans sa superbe tenue et superbe coiffure. Je vais vous garder la surprise. Mais vraiment, c'est vraiment, il y a vraiment de jolies illustrations. En tout cas, je vous invite à découvrir cette petite BD et en parler autour de vous. Je vous mettrai le lien dans la bio pour vous la procurer éventuellement si ça vous intéresse. Et puis voilà! Alors ensuite, j'ai terminé Ô thune citoyenne, au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent, de Insaf El Hassani et Héloïse Boll aux éditions Alizio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais commencé en milieu d'année 2023, au mois de juin il me semble. Et c'est le genre de livre dont j'aime bien le mettre à côté de ma table de nuit. Et piocher de temps en temps entre deux lectures, un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, et voilà. Donc du coup, je l'ai terminé ce mois-ci. C'est un livre à avoir toutes, je parle aux femmes essentiellement, mais un homme peut très bien le lire pour se mettre au goût du jour. En gros, elle nous donne des clés pour faire au mieux, gérer au mieux notre argent, nos économies, notre épargne, etc. Elle nous donne aussi des clés, par exemple, pour renégocier son salaire, etc. Enfin, des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. C'est hyper intéressant. Il y a de super bons conseils. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir ce livre dans votre bibliothèque. C'est très ludique. C'est très sympa. Ah, bah d'ailleurs, j'avais oublié mon marque-page dedans. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, défendez votre juste valeur, comme ceci. Assumer et connaissez votre juste valeur au travail. Et en fait, il y a des cas pratiques à des moments. Elle donne des exemples. Elle donne des exemples. Et puis ensuite, on a un cas pratique où, du coup, on va pouvoir remplir, nous, nos informations pour savoir, du coup, notre juste valeur au travail ou à la maison. Il y a plusieurs chapitres à ce niveau-là. Après, il me semble, par exemple, quand elle nous donne des clés pour renégocier notre salaire. Voilà, il y a du coup le cas pratique ici où elle donne un exemple et ici un exercice pour définir notre juste valeur et sur plus ou moins les salaires auxquels on peut prétendre et demander auxquels on aurait droit et que à cause de cette société patriarcale, on n'a pas forcément le salaire que l'on mérite. Là, par exemple, c'est un petit tableau qui nous permet de déterminer nos revenus variables et noter nos dépenses exceptionnelles, etc., pour mieux gérer notre budget. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Moi, je vous le conseille fortement. Il y a des illustrations à l'intérieur. C'est très sympa. C'est hyper ludique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça donne. Bon, après, je pense qu'il y a du apprendre et à laisser selon toutes les situations, évidemment. Il y a autant des conseils en tant que salariée, en tant que femme au foyer ou en tant qu'auto-entrepreneuse ou entrepreneuse. Donc, vraiment, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Moi, je vous le conseille fortement. Je trouve qu'il est vraiment bien fait et ça donne de bons conseils. Si vous ne voulez pas acheter le livre mais avoir deux conseils assez avisés sur le sujet, je vous conseille d'aller suivre.
le compte Instagram de Héloïse Boll, décidément ça veut pas, qui est Oseille et compagnie, et celui d'Insa Felassani qui est Ma Juste Valeur. C'est des comptes Instagram hyper chouettes, hyper ludiques aussi, à l'image de ce livre-là. Et il y a vraiment des conseils assez sympas de temps en temps, et je pense que ça peut nous servir à bon escient, clairement. Donc voilà, je vous le conseille, foncez. Dernière lecture du mois de décembre et donc de l'année 2023, il s'agit de L'amour de ma vie de Rosie Walsh aux éditions Pocket. Il m'a été envoyé donc gratuitement en tant que produit offert par les éditions Pocket parce que je le lis dans le cadre du jury des Grands Prix des lecteurs 2024. Je vous lis le résumé. Pour un journaliste spécialisé dans les nécrologies, rien n'est plus simple que de rédiger celle de sa femme. D'autant qu'Emma n'est pas morte. Le cancer dont elle vient de réchapper, Léo en connaît chaque détail. Il y a la biologie marine qui lui vaut sa célébrité de scientifique médiatique, idem. Mais alors qu'il creuse plus avant dans le passé d'Emma, certaines incohérences se font jour. Des petits mensonges et des gros trous noirs. Qui est donc cette femme qui partage sa vie? Que fait-elle quand elle s'absente dans le nord du pays? Et jusqu'où peut-on mentir à l'amour de sa vie? Alors ici donc, vous l'aurez compris, on suit donc, alors je me rappelle des prénoms, Emma. Donc Emma qui est en rémission d'un cancer. Léo, son mari, qui est donc nécrologue, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas il travaille dans un journal qui écrit les nécrologies des grandes célébrités, des célébrités, des personnes publiques, et donc dont sa femme Emma fait partie. Et donc il va commencer à, par le biais du hasard, ou pas, s'intéresser à la nécrologie de sa propre femme et à commencer à l'écrire. Seulement quand il va tomber sur certaines informations qui semblent très très bizarres et pas du tout cohérentes avec la vie qu'il mène, parce qu'il faut savoir que tous les deux, avec leur petite fille qui s'appelle Ruby, ils vivent au départ, c'est ce que veut nous montrer le roman, on a l'impression que c'est une réelle petite famille on va dire, j'appelle ça une famille témoin, dans le sens où c'est une famille aux aspects parfaits. Et au final, on se rend compte que pas du tout, il y a énormément de zones d'ombre. Et donc ça, c'est pour l'histoire plus ou moins du roman. Alors moi, pour être honnête avec vous, j'ai été pas mal mitigée sur cette lecture. On va pas dire que j'ai détesté cette lecture, mais je l'ai pas aimée non plus pour autant. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur, surtout sur les... il y a à peu près 500 pages. On va dire que jusqu'à la moitié du roman, c'était long, j'avais pas l'impression d'avancer plus que ça. Il y a énormément d'informations qui sont sur... du coup sur le métier d'Emma, c'est-à-dire tout ce qui est microbiologie marine et compagnie. Alors c'est intéressant en soi parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et donc c'est intéressant de le découvrir. Seulement c'était trop, il y en avait trop d'informations. Souvent certaines se répétaient énormément et donc bourrage de crâne. Et je trouvais pas que ça apportait de plus au roman. Clairement, je voyais pas l'intérêt de nous bourrer le crâne et de nous saouler avec ça. En parler un petit peu parce que c'est son métier, c'est logique, ça met le décor de l'histoire. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, c'était beaucoup trop long, il y en avait beaucoup trop pour au final pas grand chose. Alors par contre, la fin, pourquoi pas? Je ne m'attendais pas tellement à ce dénouement-là. C'est original. Ça reste un roman de suspense. C'est pas parce que ça s'appelle L'amour de ma vie, clairement, que c'est une histoire d'amour. Enfin, c'est pas une new romance, quoi. Comme si, voilà, c'est comme ça que je peux dire. Voilà, c'est plus un roman de suspense. Pas un thriller domestique, mais...
Et voilà, un suspense, Léo mène sa petite enquête sur sa femme, et voilà, il découvre énormément de choses, et donc il y a plein de secrets qui remontent à la surface et qui lui explosent à la figure. Et donc voilà, mais voilà, c'est une lecture très mitigée pour ma part, j'ai pas pu apprécier que ça, et puis pour tout vous avouer, moi, il m'a mis extrêmement mal à l'aise. Il y a des passages, je l'ai mis sur pause parce que j'étais énervée, mais alors peut-être c'est dû à mon expérience personnelle, que je l'ai pas lu au bon moment, peut-être c'est possible, mais clairement moi, c'est un roman qui m'a agacée, et pas dans le bon sens du terme, qui m'a énervée et mis mal à l'aise, mais pas dans le bon sens du terme, et j'ai pas du tout aimé ce que j'ai ressenti en lisant ce roman. Donc voilà, donc pour moi c'est un... On termine l'année avec un flop. Voilà pour cette lecture. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé peut-être. Je sais que j'en ai discuté avec d'autres lectrices qui font partie du jury, qui sont en train de le lire, qui n'ont pas forcément terminé. J'ai échangé avec certaines. Et en effet, on a plus ou moins le même point de vue. Je sais que Dory de My Little Book 13, qui fait partie du jury également, on en a discuté aussi. Et elle avait adoré le premier roman de Rosie Walsh. Elle m'a dit le titre, il m'est rentré là et ressorti par là, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Et elle avait énormément aimé son premier roman. Et du coup, elle était énormément en attente sur celui-ci. Et finalement, vous allez sur sa chaîne si vous voulez voir son avis. Mais en gros, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que pour le moment, elle trouvait ça extrêmement long aussi sur le départ. Donc voilà. Je sais, il me semble qu'elle l'avait mis sur pause quand on en a discuté. Donc elle va sûrement le reprendre plus tard. Mais voilà. Donc je pense que ouais, pour moi, c'est très mitigé, c'est un flop de fin d'année. Et voilà, en tout cas, j'espère que le début d'année 2024 va être dans l'autre sphère et qu'on va passer sur de bonnes lectures. Il y en a pas mal, dont du coup, sous le sapin, comme je vous ai présenté au début de la vidéo, donc j'en ai eu pas mal. Plus la pale qui reste quand même énorme pour moi, je suis à plus de 70 livres. Donc bon, on va essayer de la diminuer l'année prochaine en essayant de se contrôler au niveau des achats, etc. Mais bon, c'est compliqué quand on est sur Bookstagram, clairement, parce qu'on a envie de tout lire. Il nous faudrait 15 vies pour arriver à tout lire, à lire tous les livres qu'on a envie de lire, clairement. Mais bon, voilà, on va essayer de se satisfaire avec la pile que j'ai ici, sans me frustrer non plus, parce que je veux pas me frustrer, donc je vais me permettre quelques achats. Je vais essayer de me concentrer, en tout cas, sur les suites. Ou des one shot et je pense que je vais pas mal aller dans les romans graphiques BD. J'ai bien envie de me lancer là-dedans cette année. Enfin, du moins en lire un peu plus, on verra si je m'y tiens ou pas. En tout cas, j'espère que mes achats, ça sera concentré suite de saga et ou roman graphique parce que ça se lit rapidement et que voilà. Bon, enfin, bon, c'est pas le sujet. Donc voilà pour cette dernière lecture, je vous laisse sur ça. Et voilà pour cette dernière vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour échanger ensemble sur nos lectures communes ou pas. Vos impressions, ça m'intéresse. J'espère qu'en tout cas que vous avez passé une agréable fin d'année et je vous dis à l'année prochaine!